19h, 19h, on se retrouve pour un nouveau stream et aujourd'hui c'est un shmup qui va être disséqué. Ça, c'est de l'intro, les gars. Vous avez vu ça? Ça se professionnalise, hein, The Big Gamoski, là. On commence à avoir du gros matos, des jingles, des pom-pom girls, des bruitages. Toujours des bruits d'explosion derrière, c'est important. Et vous ne le voyez pas, mais il y a des cascadeurs en train de tomber de pont à la chaîne en ce moment, quoi. C'est absolument incroyable le gros budget qu'on a depuis que le Tipeee a été monté. C'est un truc de ouf. Je meuble, c'est sûrement pour pas vous parler de Ironclad. Ce jeu qu'on va tester aujourd'hui et qui est un petit peu particulier. Alors, pourquoi il est particulier? Bah parce qu'en fait, il n'est pas supposé exister. Il a eu une aventure assez tumultueuse, puisque c'est un soft qui a été développé à la base pour la Neo Geo CD. Une console qui a été accueillie très moyennement par le public, parce qu'en fait, les gens se demandaient pourquoi revenir au CD, alors que les grosses cartouches qu'on raquait plein pot, bah ça marchait bien, ça chargeait instantanément. Le CD apportait surtout des lourdeurs dans l'histoire. Et il était supposé alléger les prix, et en fait, les prix n'ont pas été tant allégés que ça. Bon, tout s'explique. Pour la petite histoire et revenir à notre titre, Ironclad, il faut savoir que ce jeu, bah, du coup, est sorti sur la Neo CD. Il est sorti après, il y a des remasters HD, je crois, sur certains stores de consoles. Mais en fait, la plateforme à laquelle il était destiné à la base, c'est-à-dire la Neo Geo à cartouche et les systèmes AES et MVS, donc, bah, c'est jamais sorti. Et aujourd'hui, devant vos yeux, ébahis avec un Z majuscule, vous allez voir cette version qui n'est jamais sortie. Je pense qu'on va avoir un fail de démarrage, c'est super important parce que si on n'a pas le fail de démarrage, ça va pas le faire. Moi, ça me permet de faire les niveaux pendant ce temps. Et je vais effectivement sortir du jeu puisque vous ne l'avez pas, alors que moi je l'ai, hein. Il marche très très bien, là. Il est magnifique. D'ailleurs, je vais faire tout le stream comme ça. C'est méchant, hein. Ironclad, 1996, nous voilà. N'aie pas peur, c'est ton corps qui change. N'aie pas peur, c'est une décompression de RAM. N'aie pas peur, c'est le logo Neo Geo. Et je te préviens, n'aie pas peur, il y a un écran d'intro après. Oui, 1996, c'était de bon goût de faire plein d'effets de 3D partout, même là où il n'y en avait pas besoin. Soit. Regardez-moi ça. Petit scroller horizontal. Pas en écran large. Avec deux petits aéronefs bien choupis et apparemment plein de fonctions. Et notamment, bah, la fonction essentielle qu'il va falloir vite maîtriser, c'est celle du bouclier à la AirType. Hein. C'est pas une nouveauté, mais regardez-moi ça. Apparemment, on peut le laisser faire sa vie tranquille dans un coin du tableau pendant qu'on fait ses emplettes hein, de l'autre côté. Comprendre par emplette des dégâts. Niveau décor, apparemment, on est servi. Hein. Il y a du gros pixel love là. Et on peut choisir ses zones. Je suis chaud là. Je suis chaud, chaud, chaud. On y va ou on attend une autre démo? On y va, allez. Gourmandise quand tu nous tiens. Il en faudra bien 11. Alors, petite explication, c'est pas plus mal. Ton petit buclier qui fait sa life. Comme il veut, il te suit à peu près sur la hauteur, et il reste où il est horizontalement. Oui chef, compris chef. Et quand tu tires, il tire, ce qui est à peu près normal. Et quand tu gardes appuyé, il fait le méga tir, mais, c'est bon à savoir, il fait le méga tir uniquement s'il est contre toi, si tu l'as sur le nez quoi. S'il est de l'autre côté de l'écran, c'est pas la peine d'y rêver, quoi. Alors, tu peux jeter le truc et... Ah, il y a un truc avec un troisième bouton, il va falloir que j'essaye. Surtout que je sais pas où est mappé mon troisième bouton, ça va être la surprise. Je
pense que ça doit être un effet média bon ou un truc comme ça. On y go! Comment ça, le son n'est pas très fort chez vous? Oui, mais vous avez entendu l'intro, c'était violent quand même. Oui, on va ici. Ça devrait bien se passer. Comme c'est mimi. Et me voilà! Alors, mon bouclard. On va dire, un petit tir chargé. J'ai deux niveaux, trois niveaux de tir. Ah purée, faut garder appuyé pour bien le faire revenir par contre. Musique énervée du bulbe. Alors c'est très joli. C'est encore plus contrariant de savoir du coup que le projet quasi abouti quoi, il n'a pas été diffusé. Oui, j'ai bien lutté. Alors le jeu est relativement facile, je sais pas si c'est parce que justement il n'a pas été mis au niveau de difficulté finale. Mais jusque-là, ça a été quand même de la balade. Ah les méchants et leurs longues lignes de texte, c'est trop rigolo. Cette musique d'agité. Oui, pas de pitié. Ah, mon bouclard a besoin de refroidir. Ah, je peux plus m'en servir comme... Il y a deux, trois petites subtilités que j'ai pas trop saisies. Et apparemment là je pouvais pas m'en servir de... à nouveau comme projectile distant. Parce que je m'en étais trop servi comme protection apparemment. Ah, il est bien foutu ce truc, hein. À la preuve, vous m'entendez pas parler. Oula.
Heureusement qu'il vise comme une patate. Oula, 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 oula. La note, j'ai fait ramener la borne. Je vais en profiter pour vous monter un petit chouïa le son, ça pourrait être sympa. Parce qu'on va pas lâcher l'affaire comme ça, regardez-moi ça, ce jeu, il est jouable, il est super rare. Ce serait bête de passer à côté. Allez, doigts. Alors désolé pour les petits reniflements, hein, c'est l'automne, c'est le nez qui coule, c'est fashion. Et je voudrais pas contrarier le monde et ne pas être fashion moi aussi. Donc j'ai ma petite crève, mon petit rhume. Comme ça, personne n'est jaloux, je suis dans la norme, tout va bien. Ouf, j'ai senti celui-là. Oh là là. J'ai pris cher. J'ai pris très cher. Oula, 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 oula. Mais il est tout fou, lui. Oh putain, il a un cousin. Il a deux cousins. C'est pas très sympa, les gars. Je vais me rapatrier ça, si vous permettez. Hein. Et puis je vais t'aligner toi en priorité, parce que tu es très méchant, tu es très agréable, tu es très malpoli. Tu es la source du chaos et de cet énervement total. Ah, ah bah oui, il fallait que ça arrive. Mon bouclard. Oh la vache. Ah, j'ai enfin trouvé le bouton pour ma super bombe. Vous y croiriez, vous? Eh oui, ils ne l'avaient pas utilisé depuis le début. Bon, apparemment, faut les faire dans l'ordre. Lui, ça ne fait pas grand-chose, là.
coup, j'ai pas réussi à le flinguer, c'est rigolo. Mon dieu, un Golgoth. Oh putain. Je me suis fait avoir, mais quand même. Il a l'air pas content. Il a l'air pas content. Il est pas content. Est-ce qu'on se le continue? Me laissez pas choisir, vous connaissez la réponse. Oui, c'est moi qui gagne, c'est moi qui t'électrocuté, hein. Allez, oh. On va vite se calmer, bonhomme. Papa, il est énervé, là. Il est super énervé. Il est chaud tendu, il faut bon bouclard. Non. La vache. Je crois que je l'ai esquivé au bon moment, mais ça risque de pas très bien se passer encore. C'est la même chose que tout à l'heure, je me suis pris de la même manière, c'est dégueulasse. Tiens, je t'anéantis. Alors mon vaisseau fait la gueule. On continue hein, sur la lancée. En plus ce jeu est super long, donc moi je vais le mettre dans les sélectionnés parce que c'est une curiosité franchement à essayer. Le jeu est maniable, le jeu est pratique, il est limite trop facile. Ça aussi il faut être conscient. Faut être conscient également que c'est un produit qui n'est pas fini du coup. Parce que ça c'est réellement la version borne qui n'est jamais sortie. Et du coup ils ont peut-être pas fini d'ajuster la difficulté, de faire certains réglages, y compris même de prévoir des objets, des trucs comme ça. Oh la vache, ils sont encombrés, hein. Ouais, c'était risqué ça. Ce jeu est terrible. C'est d'autant plus frustrant que... Oui, de ne pas avoir de version officielle répandue, quoi. C'est triste. Mais bon, les histoires d'argent, souvent, c'est ce qui fout le bordel. Dans des belles aventures, qui, au lieu de se terminer, restent dans des cartons, quoi. Et l'astuce d'avoir des bouts de décor qui passent au premier plan quand même, c'est super bien foutu. Désolé, moi c'est pire de la langue, je peux pas m'arrêter là. C'est impossible qu'on s'arrête là, Zamoche. Le privilège qu'on a de pouvoir essayer ce jeu, j'ai pas l'intention de passer à côté. Oh bouclier, reviens bouclier, tu me manques. Oh putain, ne fais plus jamais ça, ne me quitte plus. Et en plus j'ai le nez qui coule en même temps, c'est juste dramatique. Ah, j'ai le nez qui coule, putain. Heureusement que vous n'avez pas le retour webcam, je suis dans une position qui est d'un ridicule. Regardez-moi ce tir changé et tout. Non mais moi je suis amoureux de ce jeu, ça y est. Alors pourtant, vous savez depuis le temps que je n'aime pas les scrollers horizontaux. Mais moi quand on me sert ça, je suis conquis quoi, je tombe sous le charme. Vous me connaissez, il en faut pas des masses. Là, vite un mouchoir. Attends.
Putain, ils sont dans le paquet, tu peux pas en attraper un seul à la fois, c'est impossible, ils jouent en même temps. Le stream de l'exploit, ne le ratez pas, c'est aujourd'hui. Un shmup culte et un joueur qui se mouche en même temps qu'il joue. Oui, ça ne s'est pas encore fait sur YouTube et je suis très très fier d'être le premier à proposer ça à mes viewers. Oh, je ne dis pas la phrase à propos de comment ça va se passer, mais vous avez entendu, hein, vous avez lu dans ma tête. J'avais fait, monsieur K, comment ça va se passer déjà? Bien ou moins? Et là, moi, je dis ça se passe bien, car je le rappelle, le jeu est damn fastoche. Je pense que s'il était sorti réellement en mode définitif, il serait un poil plus corsé niveau challenge. Yata! Reviens, reviens! Bouge pas! Goûte-moi ça! Ah, putain, c'est moi qui ai goûté lesquels! Non, non, reviens, mon bouclier! Il est très méchant, lui. Oh, mon bouclier, je t'aime! Ah, reviens, mon bouclier! Ah, 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 ah. Celui-là il a un peu cherché. Hein. Vraiment mon cas. Aïe 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 aïe. C'est sympa quand même. Oui, j'ai failli arrêter et je me suis rappelé que non. J'avais pas envie d'arrêter. C'est quoi ce bordel? Le shield. Prends ce shield. Dame, de quelle violence. Oui, on va se faire le run complet, vous l'aviez compris. Hein. Parce que le jeu est long. Et ça, c'est du bon goût. J'ai oublié de me moucher. Frag. Oui, automne, période propice, c'est le nez qui coule, dont on se placerait pourtant tellement bien, quoi. Celui-là, t'as des sentiers. Ou moi aussi. Alors, il y a des trucs un petit peu bizarres sur le gameplay, quand même. Notamment avec des tirs qui passent un peu à travers, j'ai l'impression. Y compris des tirs que je devrais me prendre et qui ont une bonne tolérance, on va dire. Alors faut dire que vu la taille de mon vaisseau à l'écran, j'ai aucune idée de la hitbox réelle. Mais pas vite, ça doit tenir dans une case de 16 sur les quelques, ouais. C'est tendu là. Non! Pas comme ça, pas maintenant! Pile au moment où j'allais! J'allais quoi? Je ne sais pas, mais j'allais! Bon, par contre, on peut dire que c'est pas fini, c'est sur la ZIC. C'est un poil répétitif, hein. Tadadada de dos. Alors, j'ai pas le retour très très fort, mais j'entends que ça, moi. Non! Il attend la bêtise là. C'est bien. Et c'est une autruche. Le délire. Ils ont sérieusement déliré. J'ai bien fait de continuer. Parce que c'est pas commun.
ça fait mal ça. Et donc il s'est barré parce que je l'ai pas flingué. Non, il revient, le revoilà. Et je pense qu'il va m'envoyer quelques salves bien méchantes. Oh, c'était mortel ça. Oh purée. La vache. Il est super vénère. Et à chaque fois je me prends. Oui, mouche-toi encore. Oh, pop, 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 pop. Oh, je vais me faire tous les boss à la suite. Non, non, je ne suis pas consentant. M'attire au bout de la nuit, les démons de minuit. Ah mais c'est carrément un battle dans une arène, bravo. Fight. Ok, bon, on va se faire un mental combat si tu veux. Hop, 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 hop. Non 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 non. Oh la vache, il est un peu méchant lui. Oui, j'utilise les grands moyens là parce que c'est... Ah, je ne peux même plus tirer, je ne peux même plus tirer. Damnation. La vache. Ah oui, non mais j'étais un peu méchant là, mais il faut dire il commençait vraiment à être pas sympa. Oh la vache. C'est quoi ce truc? Et des fois faut pas chercher à comprendre, faut être méchant, encore plus méchant qu'il ne peut être lui. Thank you.
Alors vous entendez le pad qui craque un petit peu en bas. Parce que c'est... C'est pas simple. C'est pas simple. Non ! Attends que je me mouche deux secondes. Ah, cochonnerie. Ça n'est pas très fair-play ceci, messieurs. Mais alors vraiment. On va jamais en finir, les gars. Les gars, on va s'arrêter là. Les plus drôles, c'est les plus courtes, normalement. Je vous le dis, hein, c'est un secret. Ne répétez pas. Ah, purée, je me mets devant, comme un boulet. Les gars, vous êtes épuisants. Bah, il était temps que ça s'arrête, là. La Z, il n'était pas très très compréhensible, ce duo de boss, là. Dernier niveau. La technique du bouclier à perpète, c'est pas mal quand même. Ça fait un bon pré-nettoyage. C'est pas désagréable. Un petit peu chaud, mon gars. Je veux moucher, je veux moucher encore. Oui, ce sera le stream du mouchoir. Alors c'est rare qu'on s'arrive, mais là il y en a besoin. Il y en a vraiment besoin. Il n'y a rien de plus désagréable que deux. Ah purée. Ah, laissez-le se moucher. Bordel. Ils sont pas communs, hein, les boss. Vraiment, vraiment, vraiment. Bordel de schnitzel. Ce fut laborieux. Hein.
Il y a encore un passage. Oh purée, ça va être une leçon de plaisir là. Le passage shoot horizontal comme je les aime. Salut, tu vas mourir. Obligé tout de suite? Non, regarde, prends ton temps. Comment veux-tu mourir? Je ne sais pas. En tout cas, il est improbable ce niveau. Oui, bah j'ai tenté un truc, ça n'a pas réussi. C'est des choses qui arrivent. La Z. J'ose même plus tirer là. C'est pas que j'abdique, mais je me demande. Il y a un moment, faut arrêter de rigoler. Je suis en pleine forme pour affronter un boss. C'est parfait. Je me suis squashé dessus, mais comme une daube. Ça, c'est le check. Voilà. Comme ça, on n'en parle plus. J'ai raté le bonus, quelle honte. Ah ah. Ça va super bien se passer, regardez-moi ça. Je me suis fait un nouvel ami. Et... j'en éternue de bonheur. Ça va bien avec l'instant, je trouve, des éternuements. Oh, mais c'est pas fini. Je suis désolé, hein, mais... j'avais pas l'intention de prendre froid à la base. Je l'ai fait au culot celui-là, mais apparemment c'était celui qu'il fallait faire. Ah, ça se tentait, mon gars.
vache. Moi j'y vais au culot là. Oh merde. Ce qui ne marche pas forcément. La fin arrive, la fin est proche. La sienne, pas la mienne. Je n'ai aucun souci, ça va trancher chérie. Ah! On l'avait vu un petit peu venir de loin. Oh, il me fait un tourbillon de la mort! Mais non, mais non, mais oh! Tu vas t'arrêter, tu vas t'arrêter, je vous demande de vous arrêter. Trop misère. Et sa barre de vie qui descend pas. Hein. Houston, on a un problème. Le gros là, il veut pas. Comment ça il veut pas? Ah, il veut pas. Et il veut pas, il veut pas. Non, il veut pas, il veut pas. C'est embêtant. Ah, c'est très embêtant. J'ai essayé plusieurs trucs, là, mais ça veut pas. Ça veut pas, quoi. Et ça veut pas, pas. Non, ça veut pas, pas. Oh là là. Alors, Notodev, tu me rééquilibres ce boss, là. Il est un peu, comment dire, furieux, quoi. Je sais pas combien de crédits il vient de bouffer. Mais c'est pas évident de connaître ses points. Waouh. Mange ça, mange ça, mange ça, mange-le bien, mâchouille. Ah, tu l'as senti celui-là, hein. Bah, moi aussi j'ai senti ça, tu me diras. Ça va bien se passer, comme on dit. Ça va hacher. Ah oh putain. Il est violent lui. Alors le couloir dans lequel on est, je sais pas si vous avez vu les amaches. Ça doit faire 10 km là qu'on est en train de se fighter. Avec une explosion qui nous poursuit et lui qui veut enfin mettre un petit peu de bonne volonté. Et crever. Oh mazette, je vais m'offrir un mouchoir neuf, tiens. Pour la peine. Alors d'habitude j'essaie de pas vous faire un full run sur les jeux, mais étant donné que celui-là est très rare, est plutôt collector et qu'il y a très très peu de chances que vous tombiez dessus, bah, j'ai pris plaisir à vous le faire voir, puis j'ai pris plaisir à l'explorer en même temps que vous de toute manière. Sachant qu'en plus, bah, vous avez bien vu, les niveaux on peut les sélectionner, ça veut dire qu'il y a des embranchements et je peux aller sur d'autres tableaux où il y aura forcément d'autres décors, mais sans doute d'autres patterns et d'autres bestioles. Donc grosse jouabilité. Donc ce Ironclad est totalement validé, on va même le mettre dans le top, parce que il a le privilège de ces petits objets collector qu'on croise pas tous les jours et qui mettent la banane à tout le monde. Le jeu est amusant, le jeu est mal équilibré, il mériterait d'être un petit poil relifté, et pourquoi pas le ressortir maintenant, ce serait une très bonne idée. Mais en tout cas, il a touché nos cœurs et donc il est dans les top. Je vous laisse avec les deux streams habituels. Je vous rappelle qu'en bas, vous avez le Tipeee si vous voulez filer un coup de main. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h, tout simplement. Ciao !